Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce live. Alors, on attend Tiffaine et Klimka qui vont nous rejoindre tout de suite sur ce live Couple Goals. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live. Dites-moi d'où vous vous connectez et comment vous allez aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce live spécial Couple Goals avec Klimka et Tiffaine de Voyage Intégral. Alors, Tiffaine et Klim nous rejoignent maintenant. Hello! Coucou! Pas du tout comment faire. Non mais. Mais je ne vous trouvais pas non plus parce que votre pseudo avait le drapeau de la Suisse. En fait, c'est le premier truc. Alors, je tapais Voyage Intégral et je ne vous trouvais pas. Bref. Ouais. Vous êtes Non là. mais en fait, on te suit avec nos comptes respectifs, mais on te suivait pas avec Voyage Intégral. Alors, on a actualisé, on t'a mais trop bizarre. Après, fait, putain, on la suit pas avec Voyage Intégral. On est super bien préparé pour ce live, je tiens à le dire. Ne refaites pas ça chez vous. Non. Faut qu'on vous voit mieux. Vous pouvez. Ah non, c'est pas parfait. Bah, en fait, vous êtes coupé. Je vois la moitié d'un visage de l'un, la moitié d'un visage de l'autre. Ah, voilà. Voilà. Là, c'est mieux. Parfait. Magnifique. On va mettre ça là. Trop bien. Comment ça Cool. va? Bah, ça va bien et toi? On est trop contents. Excellent. C'est notre premier live. Tu nous challenges là aujourd'hui. Ah, tu nous challenges. J'ai l'impression que je challenge beaucoup de mes amis avec ces lives. Ouais. Tu sais, après, Et je c'est suis très heureuse. le début live. Ça va peut-être nous débloquer des choses. Je suis sûre que ça va vous débloquer des trucs. Alors, donc ce live, Live Couple Goals, c'est le troisième live d'une série de trois lives. J'ai eu le premier live avec Anne-Claire Méret, le deuxième avec Tina Fleur, qui sont toutes les deux des amies à moi. Et avec vous qui êtes aussi mes amis. Et la raison pour laquelle je vous ai demandé, c'est parce que je voulais faire une série de lives sur l'amour et particulièrement sur des gens qui m'inspirent dans leur relation amoureuse. Donc, ça veut dire que vous m'inspirez dans votre relation amoureuse. Et la raison pour laquelle je voulais faire ce live, c'est que je trouve toujours hyper intéressant d'avoir des gens qui nous inspirent, de pouvoir leur poser des questions. Pour que les gens qui soient dans les lives ou qui regardent le replay, eh bien, se disent, ah, c'est hyper intéressant, je veux télécharger leur programme. Donc, en étant en contact avec votre énergie, même si on est, voilà, on est sur Instagram, eh bien, voilà, on peut capter plein d'infos super intéressantes et vous pouvez transmettre ce que vous avez à transmettre, en fait, rien qu'en étant là. Ah, merci, c'est un honneur en tout cas. Merci à vous. Ouais. Du coup, je vais vous poser un peu des questions. Je vais déjà contextualiser. On s'est rencontrés parce que Tiffaine avait suivi un de mes accompagnements en hypnose régressive, le voyage. Et puis Ouais, le voyage. ensuite, vous aviez fait la session de Human Design pour couple de Lovers, qui est toujours C'est la d'actualité. Hein, si première. les gens veulent faire du Human Design pour leur couple, voilà, c'est toujours possible de le faire. Je fais toujours ces sessions. Et donc du coup, ça vous avez appris plein de choses sur vous, même si vous vous connaissiez déjà quand même super bien. Ouais, c'était en fait on avait fait ça avant de partir en voyage et ça nous avait donné plein de clés pour savoir comment fonctionnait l'autre et sur notre fonctionnement propre aussi et pouvoir mixer un peu tout ça quoi. Et puis sachant que nous, ça fait presque 9 ans qu'on est ensemble, et en fait avec cet outil-là, je trouve qu'on en a appris davantage encore. Ouais. Alors que bon, on en apprend tous les jours, hein. Mais c'était un bon, ouais, c'était un bon, une bonne session à faire avant le voyage pour en fait s'harmoniser et voir encore si on était sur les mêmes
même longueur d'onde pour le voyage, parce que forcément, bon, nous, on passe beaucoup de temps ensemble, donc on est très, je dirais pas fusionnel, mais on, tu vois, on peut faire chacun nos trucs en étant dans la même pièce, on est très souvent ensemble. Mais le voyage, ben, t'es vraiment 24 heures sur 24 collé, quoi. Donc, c'était cool de voir un peu les subtilités de chacun pour se connaître un peu plus et s'accompagner, en fait. Mmh. Ouais. Ah, je suis heureuse d'avoir contribué à vous aider. Et donc, après cette session, vous êtes partie en voyage et on est revenu à peu près en même temps à Genève. Et je me souviens que du coup, j'avais envoyé un message à Titi en te disant « Ah, ben, on pourrait se voir maintenant que vous êtes, que vous allez rentrer à Genève. » Et donc, on s'est rencontrés finalement cet été. Mais on s'est vus quand même plusieurs fois cet été. Ouais, ben, ça a tout de suite matché, quoi. Ouais. Et on a fait plein de choses cool ensemble et ça m'a fait vraiment du bien en fait d'être avec vous à Genève parce que vous êtes aussi sur un chemin de conscience, de développement personnel. Voilà, on a pu avoir des super conversations ensemble et partager en même temps des moments très cool, très simples. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et c'est à cette occasion que j'ai pu vraiment vous voir et vous découvrir en tant que couple, comment vous interagissez l'un avec l'autre, comment vous êtes. Et j'étais bluffée parce que quand j'ai appris que ça faisait presque 9 ans que vous étiez ensemble, j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, ça fait presque 9 ans qu'ils sont ensemble, ils ont une complicité, ils ont quelque chose de très fort, ils ont vraiment un respect l'un pour l'autre, la manière dont vous vous parlez. La manière dont vous, ouais, dont vous vous regardez, et je me suis dit, waouh, et ben moi j'ai envie de ça, j'ai envie que, avec mon futur partenaire, quand ça ait fait 9 ans, ce soit la même chose. Et je ne dis pas que voilà, que tout est beau, tout est rose et tout, mais je trouve qu'il y a quand même une super énergie et il y a vraiment ce sentiment que vous vous êtes trouvés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est... Bon, merci déjà pour tout ça. Ouais. Quoi. Ça nous touche. Parce que nous, ben, entre nous, ça paraît assez normal, même si on se rend compte qu'on a quand même une belle connexion. Et en fait, c'est à travers le regard des autres, comme toi ou d'autres, qui nous expriment justement avec des belles choses comme ça, qu'on se rend compte quand même que c'est spécial. Mmh. Et que... Enfin, que ouais, non, y a quelque chose de spécial, quoi. Bah déjà, je trouve tous les jours, on se dit quand même presque tous les jours, on se dit merci d'être dans ma vie parce qu'on est trop content, franchement. Sauf quand on s'engueule. Et même quand on s'engueule, je trouve, on revient vite, genre ouais. Putain merci. Et ouais, je sais pas, on est trop content de faire cette vie là pour le moment ensemble. Et c'est vrai que c'est, en fait, je pense, tu sais, il y a des fois des gens où le couple c'est vraiment un challenge ou quelque chose qui est très présent dans leur vie ou quelque chose un peu à travailler mais à explorer et tout. Et nous, c'était très fluide. En fait, j'ai l'impression que c'est pas le point, le gros point de défi dans notre vie. Et du coup, c'est très naturel, très fluide. Et bon, en même temps, on apprend aussi beaucoup avec le couple, hein, mais, ouais, c'est vraiment avec les autres qu'on remarque que c'est spécial. Et un truc qui est beau, je trouve, c'est que, bah, en fait, on évolue ensemble. C'est que, y a pas un travail chacun de notre côté. Enfin, oui, il y a un travail chacun de notre côté. On expliquera peut-être après avec notre concept, on imagine. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, on s'est connus assez tôt. C'est un peu nos premières expériences aussi ensemble. Ouais. Et en fait, on évolue ensemble, quoi. On grandit ensemble, on fait plein d'expériences ensemble et ça, c'est assez beau, je trouve. Je sais pas si c'est clair. Oui, tout à fait. Alors, du coup, vous pouvez nous parler de votre rencontre, vu que c'était il y a presque 9 ans. Comment vous vous êtes rencontrés? Bah, en fait, on s'est rencontrés il y a encore plus que 9 ans, mais d'un ami commun. Moi, j'étais dans sa classe et lui, il faisait du foot avec. Et puis, ben, à l'époque, on sortait en soirée. Et du coup, il avait réuni les deux groupes chez lui. Et puis, ben, là, déjà, on s'était super bien entendu pendant la soirée. Genre, on s'était vraiment mariés et tout. Mais voilà, juste amis ou quoi. Et après, moi, je faisais mes études à Bruxelles en 2013, je crois que t'es venu. 2012, ouais, 2012. Et puis, il m'avait envoyé un message pour me dire
Ah, bah, j'arrive à Bruxelles, faire mes études, est-ce que t'as des coins à recommander, etc. Et puis, du coup, ben, Bruxelles nous a re-réunis et là, on a commencé à un peu plus traîner ensemble et je pense qu'assez vite, on s'est rendu compte qu'on s'aimait bien. Mais, en fait, il y a eu, on savait qu'on s'aimait bien, on se l'est dit, mais après, il y a eu une grosse pause où, je pense pendant presque 4 mois. 4-5, ouais, même plus. Même plus. Ouais. Où en fait c'est comme si on n'était pas prêts à aller tout de suite ensemble et On a il été y a eu amis pendant. ouais on a été très amis très très amis où en fait on se voyait on regardait des films on traînait avec d'autres amis etc et en fait cette période amitié elle a été maintenant on se rend compte super bénéfique parce que en fait quand t'es ami avec quelqu'un tu te respectes tel que tu es enfin tu prends ton ami tel qu'il est et tu Il n'y a pas de filtre ouais il y a qui vient de s'immiscer. Et ça nous a fait un bon socle, je pense, pour la suite, où on a gardé cette complicité amicale. D'ailleurs, on se le dit souvent que oui, on est en couple, mais pour moi, c'est mon meilleur ami, c'est autant mon partenaire, c'est enfin, mon compagnon de voyage. En fait, on a plein de titres différents ensemble, tu vois. On travaille sur des projets ensemble, donc c'est cool, on a plein de petites casquettes. Et voilà comment on s'est rencontrés. Mais pour revenir juste sur la période où on n'était pas prêts, maintenant, donc on a fait un petit flashback ensemble avec ce live et on s'est dit que, tu vois, peut-être que nos deux êtres n'étaient pas encore prêts ou ils savaient que ça allait être une grosse étape. Et en fait, ces 4 mois, en fait, il y avait quand même des peurs de se mettre ensemble, de se montrer bah, à notre famille, à nos amis, d'assumer, il y avait plein de petits trucs comme ça où, en fait, on a dû prendre notre temps chacun. Pour après être prêt. C'était ouais, c'était intense, Ouais, je sinon. dirais que c'était une mise à niveau, enfin. Ouais. Une mise à niveau. J'adore. J'adore. Et puis voilà, vous avez traversé beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Et puis, bon, on y reviendra après, parce que maintenant, comme tu as dit, vous avez des projets ensemble, même avec Voyage Intégral, dont on parlera après. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc, comment vous avez fait, finalement, dans votre parcours, pour en arriver là? À co-créer en fait votre vie parce que vous étiez étudiant quand vous vous êtes rencontrés, puis vous étudiez même pas la même chose, vous étiez juste en fait dans la même ville. Donc après, il y a eu qu'est-ce qui s'est passé dans le déroulé des choses? Bah, il y a eu plein d'étapes quand même parce que Tiffen est parti plusieurs fois à l'étranger pour des périodes de quelques mois et bah, on a vécu quand même des relations à distance et bah, déjà je pense qu'il y a il y avait déjà un respect de l'autre, de ses aspirations, il n'y avait pas une idée de s'accaparer, de bloquer la personne. Donc, on se faisait assez confiance dès le début. Et comment on en est arrivé là, c'est que en fait, ben, disons que notre vie à Genève, une vie, disons, classique, où on avait des jobs respectifs. Tiffany, elle avait quand même un job sur le papier qui lui semblait parfait et Avec la qui, avec liberté. la liberté dont tout le monde rêve pour travailler et tout ça. Et en fait, il y avait quand même quelque chose à l'intérieur de nous qui n'était pas satisfait, quoi. Et alors Tiffany, depuis le début, elle voulait partir en voyage. Ça, c'est son aspiration. Elle voulait tout de suite partir comme on est maintenant. Et moi, j'étais pas tout de suite prêt, en fait. Je devais, avec le recul, je pense que je devais me prouver des trucs, mettre en place des choses dans la matière À Genève. à Genève où on vivait, pour pouvoir ensuite me dire, OK, ça y est, je l'ai fait et on peut partir. C'est-à-dire que j'avais un cabinet de soins énergétiques et j'ai dû mettre en place quelque chose dans la matière pour moi. C'était très important pour pouvoir me dire, ça y est, on part, quoi. Ouais. Et puis Et les amis aussi, je pense, tout ton quartier, tout ça, il était très attaché, lui. Bah, qui arrive à Genève. petite Mais parenthèse Carouge. Petite parenthèse de cet été à Carouge il avait où on se baladait ensemble tous les trois et où tous les 3 mètres, tu disais bonjour à quelqu'un. ouais, ça va, bah, j'ai grandi là-bas. Après, c'est pas très grand, et puis
J'ai eu plusieurs activités, les écoles et tout ça. Puis après, je pense comme quelqu'un d'assez sociable. Donc, ouais, c'est vrai que. Et c'est quelque chose qui te procure du bien. Tu vois, maintenant, je remarque même ici, on était 3 jours dans un hôtel, donc on a sympathisé un peu avec les artisans qui travaillaient dans l'hôtel. Bah, dès qu'ils arrivaient le matin, il était déjà là, bonjour, t'es à saluer. En fait, c'est un truc qu'il aime d'avoir du contact avec les gens. Et je pense que cette proximité de son quartier, etc., c'était quelque chose que c'était dur au début de lâcher et partir à l'aventure. Mais pour revenir à comment on s'est harmonisé à ce projet un peu commun et à ces idées communes, je pense que de toute façon, on a toujours respecté nous, on aime bien dire le 1 plus 1 égale 3 pour notre couple, parce qu'en fait, on est vraiment un 1 plus 1 et ça crée cette troisième entité qui est le couple. Et on a toujours essayé de respecter le 1, c'est-à-dire que quand moi j'avais des stages à l'étranger ou j'avais envie de partir 3 mois en Asie, la formation de yoga ou quoi, il était vraiment en soutien de ce que j'avais envie de faire et pas bon, bah non, tu vas te barrer 6 mois ou tu vas te barrer 3 mois alors qu'on est ensemble. Donc ça, c'était vraiment, c'est trop beau. Et en fait, on remarque que même ici à Lomé, maintenant, c'est l'inverse. C'est moi qui suis en soutien de lui qui fait son travail dans sa famille où c'est pas forcément très agréable. Des fois, enfin, il y a beaucoup de transgénérationnel et de choses à un peu déblayer et à explorer. Et c'est pas forcément l'environnement qui nous convient, Lomé. Tu vois, moi, si je peux partir demain et aller dans la nature, je pars, tu vois. Mais je sais que pour lui, c'est important ce moment ici. Et du coup, on est en soutien l'un pour l'autre. Et ça, c'est, je pense, comme ça qu'on avance petit à petit. Et du coup, ouais, en fait, on respecte le 1 de chacun pour pouvoir que notre 3, enfin, notre Ouais. projet commun, Soit tout ce harmonieux. qui puisse englober tout ce que, enfin, quoi que ce soit, soit harmonieux et puisse avancer, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est que ouais, même depuis le début de votre relation, c'est un point hyper fort où vous êtes laissé à l'opportunité de respecter les rêves de chacun, les projets de chacun, et donc du coup de laisser la liberté à l'autre pour pas qu'il se sente complètement emprisonné dans le couple. Et là, j'aime bien ce que tu disais, Tiffaine, c'est que maintenant c'est moi qui suis en soutien. Et c'est ça aussi la loyauté dans une relation, c'est d'être là, pas forcément dans les moments les plus faciles, voilà, mais où l'autre a besoin de nous. Et où on montre que on est là en fait, on est le roc qui va permettre à l'autre de vraiment continuer à sur sa mission, sur son chemin, même si c'est pas forcément évident. C'est ça. Et puis après, je pense que pour le chemin commun aussi, on a de la chance parce qu'on est très similaires. Genre, par exemple, si on dans la vision qu'on a de notre vie, de notre futur, on aime les mêmes choses. Pour cuisiner, on mange les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je trouve qu'on est quand même très similaires. Pour Tu vois, les là, on fait de la déco pour l'appart. On aime exactement les mêmes décos. Donc, en fait, il y a zéro débat. C'est un peu chiant, quoi. Mais il y a un peu zéro débat sur tous ces points. Et du coup, on joue beaucoup depuis longtemps à ce jeu de qu'est-ce qu'on a envie de voir dans notre vie, etc. Et on co-crée comme ça dans nos têtes. Et après, souvent, ça se matérialise petit à petit. ça. Bon, vous avez quand même des moments de désaccord, des moments d'embrouille, comme dans tous les couples. Ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais Comment ça a vous encore gérez? évolué, ça, je pense. Ça a Ouais. évolué parce que moi, je suis assez. Elle est plutôt quelqu'un de feu où elle va exprimer son émotion sur le moment et Avec des mots. avec des mots et enfin, voilà, assez fort. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de. Bah, en fait, on a tous un peu nos programmations émotionnelles et j'ai longtemps, et peut-être encore un peu maintenant, j'ai longtemps eu peur du conflit, moi. Et dès que, en fait. Il y a des mots qui sont un peu forts comme ça. Moi, je vois ça comme une désharmonie et ça me tétanise. En fait, beaucoup avant. Maintenant, notre relation, elle a évolué parce que, genre, j'ai compris que, en fait, ces moments de désharmonie, en fait, c'est plutôt des mises à niveau, en fait. Des mises à niveau où on équilibre notre manière de voir les choses et qu'en fait, ils sont nécessaires pour pouvoir passer des obstacles. Ouais. Et là, je dis. Et puis, en fait, je sais plus pourquoi je disais ça, mais ça a beaucoup évolué parce que j'ai l'impression que je le prends moins pour moi, j'emmagasine moins les choses. Et en fait, elle a compris aussi comment je fonctionnais Ouais. et comment moi, comment je comprends aussi comment elle fonctionne. Ça veut dire que je la laisse exprimer ce qu'elle a à dire et après on discute.
Ou alors moi, elle se rend compte qu'elle va un peu, ben, peut-être que des fois elle peut aller un peu trop loin et elle vient tout de suite s'excuser et moi ça m'apaise, tu vois. Ouais, en fait maintenant on ose venir dire ben je me suis trompée ou pardon et tout, et en fait direct ça finit. D'ailleurs le conflit peut se finir en une seconde et après on se fait un bisou et on est en train de partir à la piscine. C'est vraiment bizarre, tu vois, il y a pas de challenge quoi de suite quoi qui dure très longtemps. Mais je pense qu'un truc qu'on a bien compris, c'est le rôle des vases communicants, c'est-à-dire qu'on était dans le couple de vases communicants, c'est-à-dire que quand un montait et avait une émotion très forte, l'autre, au lieu de partir dans son émotion aussi, en fait, rentre plus dans un état de neutralité et vient rééquilibrer en fait les deux vases. Et au lieu de rentrer toi aussi dans ton truc, c'est en fait prendre un peu de distance. Ah ben il dit ce truc, ben j'essaie d'être là et puis. Direct, ça apaise. C'est assez magique d'avoir compris ça. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi le concept des mises à niveau. Au lieu de voir des engueulades comme quelque chose de waouh, et ben en fait, c'est juste une rééquilibration énergétique, une mise à niveau. J'aime beaucoup. Je sais que Clint, tu m'en avais déjà parlé cet été. Et du coup, ouais, je trouve que c'est une belle image en fait pour toutes les personnes qui, parce que tout le monde vit des engueulades, pas que dans le couple, hein, des désaccords, des engueulades ou des choses qu'on aimerait qu'ils soient différents. Et du coup, cette idée de mise à niveau, ben, ça fait qu'on se détache vraiment, on se met plus au cœur du truc, mais c'est vraiment la mise à niveau pour le couple. Du coup, ça apaise un peu les tensions. J'ai l'impression déjà de voir les choses d'une manière différente. Ouais. Et je voulais savoir, vu que ça fait quand même pas mal d'années que vous êtes ensemble, est-ce qu'il y a eu des moments où, je vois typiquement, en fait, j'ai cette image qui me vient de se dire, de regarder l'autre et de se dire ah ouais, mais c'est vraiment ma personne, quoi. Ah bah oui, tous les jours. Vraiment. Vous avez des petites anecdotes de ah ouais, je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit ah, mais vraiment là, c'est ma personne. Ce matin, quand elle dansait comme une dégénérée dans la chambre, et vraiment, parce qu'en fait, on stressait quand même pour faire ce live. Et en fait, pour se décharger, elle dansait, elle faisait n'importe quoi. Et rien que la voir comme ça et voir sa tête là, ça m'a. Je me suis dit ça, mais c'est un peu bête. C'est des exemples tout bêtes, mais même encore, là, dans son accompagnement, comment elle expliquait, on est dans ma famille et y a quand même du travail transgénérationnel qui se fait. Et elle, je pense qu'elle agit aussi comme un catalyseur. Elle aide à ce que ça bouge, quoi, à sa manière. Et je sens que vraiment sans elle, je pense que j'y arriverais d'une manière ou d'une autre. Mais ça rend le travail plus facile parce qu'elle est là en soutien et je la remercie de ça parce que c'est incroyable de vivre ça avec elle, je trouve. Et Titi, ouais. Moi je dirais de tous les jours on se le dit hein, qu'on est trop content, merci d'être dans ma vie, mais je pense que Clim il m'apporte plein il a plein de qualités que j'ai pas forcément moi et qui m'inspire beaucoup, tu vois. C'est quelqu'un, je trouve, qui est profondément gentil et très bon et que tu vois, juste d'être à sa présence, en fait, t'es tout calme, t'es bien, t'es comme dans un cocon, etc. Et je trouve que ça, c'est magnifique et c'est content d'en profiter tous les jours. J'adore. J'ai l'impression de baigner complètement dans vos énergies d'amour, là. Je suis trop bien. Enjoy. Bien. Et du coup, alors, est-ce que vous avez des rituels ou des petits trucs que vous faites pour la connexion, des trucs qui sont un peu propres à vous, je sais que vous passez tout votre temps ensemble, mais est-ce que vous avez des choses particulières que vous faites dans le cadre de votre couple? J'ai pas trop de. Moi, j'ai une petite idée. Tu sais, genre, souvent, on fait dans la semaine, on se fait une harmonisation. On se regarde, on fait harmonisation. Et du coup, on vient, on se met là. Genre, juste, on met notre front l'un contre l'autre. Et genre, c'est comme si ça nous. Quand on sent que la disharmonie est en train d'arriver,
Et que avant que ça part, on fait un petit sourire et on fait ça, ouais, c'est bon. Mais même sinon, même juste de prendre un moment genre qui dure quelques secondes hein, dans le moment présent, mais comme une harmonisation ensemble, ça on le fait assez régulièrement. Mais sinon, je pense qu'un de nos rituels aussi, c'est de rêver notre vie. Ça, on le fait depuis hyper longtemps et assez fréquemment. C'est un peu notre quotidien. Genre, dès qu'on boit un vin ou dès qu'un truc, dès qu'une occasion se présente, on parle de ce qu'on a envie, de nos rêves, on imagine tout dans les détails. On dit, on voit un truc derrière, on fait ça, il y aura chez nous, ouais, il y aura et tout. Et peut-être ça, c'est un de nos rituels qui fait qu'après, la suite se déroule un peu sous nos pieds. C'est qu'on précise quotidiennement un peu ce qu'on veut, ce qu'on aime. La visualisation créatrice de couple. Oui. Ouais. Et oui, alors, vous pouvez nous parler du coup de Voyage Intégral, qui est votre projet. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le 3. Enfin, ça fait partie du 3 dans le 1 plus 1 égale 3. Mm. C'est quoi, alors, Voyage Intégral? Bah, déjà, c'est un projet qui s'affine de jour en jour. Et récemment, on a un peu posé des mots plus précis dessus. Je pense qu'on est arrivé à une certaine maturité où on peut passer à un autre niveau. C'est un projet qui évolue vraiment avec. En fait, pour moi, c'est vraiment nous ce projet. C'est nous à 100% et du coup, ce projet évolue avec nous. On a remarqué qu'il avait commencé avec. Le van qu'on avait acheté, on voulait partager un peu des trucs de van et de ouais voilà ouais, de vivre autrement. On savait qu'on voulait ouais partager, inspirer un peu. Et quand on a fait le pas de vivre autrement, maintenant j'ai l'impression qu'on est plus dans une autre phase où ce qu'on aimerait partager, c'est vivre harmonieusement. Nous, ce qui est très cher pour nous, c'est les valeurs de l'harmonie et de la beauté. Et je pense que ça se reflète aussi dans nos deux activités, dans les soins de clim et dans les créations que je fais. Et même dans le projet qu'on a pour le futur, pour peut-être d'avoir un terrain, d'un centre de ressourcement tout autour de la créativité, etc. C'est vraiment on aimerait vraiment mettre l'accent sur l'harmonie et sur la beauté. Et du coup, c'est un peu autour de ces piliers-là que se construit Voyage Intégral. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est on fait des vidéos, donc des voyages visuels sur YouTube. Qui sont inspirés de l'endroit où on est, des personnes qu'on rencontre, de la vie en général. Et puis on a l'Instagram où c'est plus toi qui partage tes photos. On essaie de partager des photos de notre voyage, donc on essaie toujours d'y mettre un peu notre touche, quoi. On aime bien les touches colorées. On se bat quand même avec un appareil photo Fujifilm, donc ça fait des photos d'assez bonne qualité. Et moi j'ai découvert la photo en voyage, quoi. Ça me passionne, j'ai envie d'approfondir un peu là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a plusieurs branches comme ça. La prochaine étape pour Voyage Intégral, c'est plus proposer notre marque d'habits, donc Intégral, qui est en cours de réalisation ici à Lomé au Togo. Donc, on est en contact avec un couturier. Et en fait, c'est parti rapidement. On cherchait des habits, tu vois, même on a visité plein de pays, des fois on voulait des habits avec des couleurs un peu vibrantes, des formes un peu différentes, et puis j'ai l'impression que la mode, c'est devenu un peu généralisé, tu vois, tout le monde s'habille un peu pareil, ça uniformise beaucoup les gens, au lieu de rendre leur unicité, et en tout cas, y a un truc à faire. Plus les énergies des tissus, ça ne sont pas trop jojo, quoi, ils ont tendance plutôt à rabaisser... à contracter au niveau de l'énergie. Et donc, donc en fait, l'idée est partie d'une chemise qu'on a découvert en Italie, dans une friperie. Moi, je voulais pas rentrer du tout dans cette friperie, c'est Tiffany qui allait comme ça. Donc, je l'ai suivie et il y a une chemise qui a attiré mon attention. Donc, elle avait des formes un peu différentes. C'est une oversize avec des manches un peu, mi-longue, mi-courte, et donc un peu des points un peu old school. Et moi, j'ai tout de suite, ça m'a tapé à l'œil, et puis du coup, c'est vite devenu ma chemise préférée, quoi, en quelque sorte. Ouais. Je la mets partout et je me rends compte que je me sens bien à l'intérieur, quoi, parce qu'elle est ample, ça permet le mouvement, qui est aussi un principe de vie, quoi. Et donc voilà, c'est un peu, en quelque sorte, elle me donnait des super pouvoirs. Et on retrouvait pas trop d'habits qui donnaient autant cet effet, on se dit, waouh, si un habit te donne ça, c'est incroyable, parce qu'en fait, forcément, ça révèle
ta beauté et ça te permet de c'est un peu le principe rayonner. D'un c'est un peu le principe d'un talisman quoi ouais qui te connecte à des énergies ben tu choisis quoi ça peut être autant négatif que positif et voilà et on veut créer un peu des une marque autour de ça en fait où tu te connectes à des énergies positives de vibrations assez hautes enfin hautes. Où un objet te révèle et te fait briller, etc. Donc, c'est en cours. C'est en cours. C'est le concept. On présentera tout ça en temps voulu. Moi, je serai la première acheteuse, d'autant que j'ai vu cette chemise. C'est la première fois où je t'ai rencontré, Kim, parce que j'étais avec Tiffen, et puis après, on t'a retrouvée à Tropical Corner. Et tu portais cette chemise, et elle m'a raconté l'histoire de la chemise, et j'étais là, parce que c'est la première chose que j'ai dit, mais j'adore ta chemise. Et il y a eu un truc, j'étais là, waouh, c'est vrai qu'elle est hyper canon. Il y a un truc particulier avec cette chemise. Et, c'est vrai que tu t'es connecté à ton intuition et tu as tout de suite vu que. Ah, tu pourrais faire une marque, Togo. Ouais, tu as parlé de ça directement, en fait, sans en avoir parlé. Et moi, j'ai dit, mais tu lui as raconté, Tiffany? Et en fait, non, c'était. Non. C'est ton intuition qui a vu ça. J'ai capté direct, j'étais là, mais tu vas faire ta marque, tu vas créer ta marque de chemise comme ça, non? Et oui, et donc du coup, bah, trop cool. Des petits messages comme ça qui viennent. Mais ouais, et en plus, l'Afrique, c'est super, c'est un super endroit pour vraiment avoir des tissus hyper beaux, colorés, dans la joie. Enfin, moi, quand je vois, en plus, je t'ai envoyé, Klimka, il y a quelques jours, une photo de Magic System. Je sais pas pour ceux qui se souviennent de Magic System. Ils avaient des vestes, tous la même veste, mais canonissime, quoi. Je sais pas s'ils viennent du Mali. C'est des Ivoiriens. Ah, Côte d'Ivoire. Donc voilà, un tissu, mais magnifique, en plus en format Bombers. Bref, moi aussi, j'ai une passion pour la fringue. J'ai créé des fringues ici à Bali. Non, ça, c'est hyper chouette comme projet. Et du coup... Je vois que vous avez plein de projets, donc Voyage Intégral, les vidéos, etc., cette idée de marque. Et séparément, vous êtes dans la même pièce, vous travaillez, mais vous faites aussi peut-être des choses différentes. Qu'est-ce que vous faites, Tiffen? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu proposes? Moi je crée de la communication visuelle, donc ça peut être soit des logos, des sites internet, des flyers, du print, des photoshoots parfois, gestion des réseaux sociaux. C'était mon travail avant, en fait, dans l'agence de pub, et en fait, maintenant, je me suis vraiment appropriée, et c'est fou, parce que je me suis vraiment alignée, et j'ai des clients, mais magnifiques, et des projets super, créés avec le cœur, et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'au-delà de cette forme, visuel, il y a tout un cheminement, un accompagnement à faire où il faut que j'aille me connecter à l'essence de la personne ou du projet, que j'aille capter un peu cet ADN unique et comment est-ce qu'en fait je le révèle avec les couleurs, les formes, les typos, enfin comment je le mets dans l'espace. Et il y a tout un accompagnement de la personne que j'adore qui est en fait, il faut aussi aller fouiller en soi, forcément, parce que c'est une idée qui vient de soi, sinon elle n'est pas forcément. Défini ou abouti, on va en fait trouver encore des petits éléments. Donc, c'est trop bien. J'ai amené une autre dimension que, tu vois, le travail que j'avais qui était un peu stressant et boring. Maintenant, je l'adore à ma fin. Et moi, si je peux me permettre, parce que elle le dira pas, mais je suis l'impression que c'est vraiment un accompagnement vraiment holistique parce que. Souvent, les premières personnes qui sont venues te voir, elles avaient du mal à se révéler sur les réseaux sociaux ou comme ça, se montrer et tout ça. Et donc, il y a tout un travail derrière aussi de lâcher prise qui l'accompagne de confiance qui doit se créer entre vous deux. Et en fait, j'aime penser qu'elle plante des graines à sa manière parce que ce travail qu'elle accompagne les gens. Mais ces gens vont aussi se révéler au monde, qui vont eux-mêmes planter des graines et tout. Donc, elle est à la base de ça. Je trouve que c'est hyper joli. Trop beau. Il est bien pour faire ta com. Non, c'est plus facile de faire sa com que ma com et inversement. Tu vas faire mon site internet, tiens. Et alors, Clean, toi, tu fais quoi? Moi, je fais des soins énergétiques. Alors, bon, ça fait un moment que j'en ai plus trop fait parce que souvent, je prends soin de moi. Mais... j'ai un peu de mal parfois à expliquer ce que c'est, mais c'est du domaine du subtil dans les énergies.
parce qu'en fait, ce soin évolue en fonction de qui je suis, de l'environnement où je suis, de la personne avec qui je travaille. Et je dirais que c'est une mise en mouvement des énergies. On va travailler sur débloquer des schémas, des croyances, des choses, des aspects de soi qui résistent. Et on va mettre en mouvement ces énergies pour créer une sorte de déclic, quelque chose qui... Le déclic, ça peut se matérialiser, ça peut se présenter chez les personnes différemment, quoi. C'est propre à chacun. Mais il peut y avoir une prise de conscience, un passage à l'action. Après, ça peut être aussi des choses qu'on ne perçoit pas dans le réel. Ça peut être aussi des choses dans le subtil. Et souvent, il y a des beaux retours et des belles choses qui se passent, quoi. Mais c'est vraiment propre à chacun. Et j'aime croire que les personnes qui viennent à moi, ben en fait, on s'apporte mutuellement des choses. C'est-à-dire que ben la personne qu'elle travaille, ben on est en miroir, quoi, et je travaille aussi. Donc souvent, ça correspond aussi à des périodes où je travaille certaines choses. Et puis ben j'attire les personnes qui vont me faire travailler ces choses, et inversement, je peux faire travailler les choses chez les personnes. Donc, c'est assez cool. Ouais. Et j'ai fait un soin énergétique avec toi d'ailleurs cet été. Yes. C'est vrai, on a fait. T'es venu à Carouge. À Carouge, exactement. Et j'aimerais beaucoup travailler avec Tiffaine, mais bref. Du coup, pour en revenir au sujet de l'amour, après, les gens, on partagera comment ils peuvent vous retrouver, mais pour revenir au sujet de l'amour, si vous aviez un conseil, alors il doit être différent, hein. Si vous êtes deux, du coup, ça doit être deux conseils. Donc, deux conseils à donner à des femmes célibataires ou des hommes célibataires qui regardent le live et qui ont envie de rencontrer leur personne, qui ont envie de manifester une relation comme ça. Qu'est-ce qui vous vient intuitivement que vous aimeriez partager ? Bon, c'est difficile pour moi de donner un conseil parce que je sais pas, je le fais naturellement et je me rends pas compte. Enfin, c'est assez naturel et je me rends vraiment pas compte que c'est difficile. ça s'est fait, ouais, c'est une bonne question. Ben moi, je dirais qu'on n'est pas obligé d'être, parce que je trouve que maintenant, on entend aussi beaucoup qu'il faut avoir un peu cheminé sur soi pour rencontrer l'autre. Ben, nous, c'était pas forcément le cas parce qu'on on est retombé d'ailleurs par hasard avant ce live, c'est trop marrant, sur des vieilles photos de 2014, du début où on était ensemble, et on n'est plus du tout pareil, tu vois, mais. Et on n'était pas conscient, enfin, pas autant conscient, etc. On vivait notre life normal. Et nous, en fait, on a vraiment grandi ensemble. Donc, ça aussi, c'est. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Mais après, je pense que, ouais, c'est peut-être le travail sur soi qui fait que son environnement, la relation qu'on va avoir avec l'autre, ou même avec des amis, ou sa famille, c'est vraiment le travail sur soi qui va, en fait. Enlever tous les verrous et débloquer tous les verrous et t'amener en fait à quelque chose d'harmonieux. Et forcément, si tu ramènes un maximum d'harmonie en toi, ben tu attires aussi quelque chose à la même fréquence, quoi. Donc ça peut paraître cliché, mais si tu te respectes pas à l'intérieur de toi profondément, c'est difficile d'attirer des gens qui te respectent et qui vont te voir tel que tu es, quoi. Donc peut-être accepter de lâcher des parties de soi qui nous servent plus, dont on n'a plus besoin pour pouvoir se révéler, quoi. Parce que je pense qu'on doit d'abord être. Non, je sais pas. Franchement, désolé, mais c'est qu'en fait c'est assez difficile de donner des conseils. Je me vois pas comme quelqu'un qui donne des conseils. C'est assez naturel ce qu'on vit et chaque personne est différente. Donc pour moi, c'est assez difficile de donner un conseil. Et puis en plus, il n'y a pas de mauvaise relation parce qu'en fait, avant de se rencontrer, on a aussi rencontré quelques autres personnes et ça nous a tout autant appris quelque chose. Mais peut-être que comment on ressent que c'est the one, je ne sais pas, je pense qu'on le sait. Tu le sais, ça, je ne sais pas. En fait, c'est facile. Quand tu as retrouvé le one, après, tu sens que c'est facile, c'est fluide,
Enfin, tu vois, j'avais écouté les témoignages de Tina et de Anne-Claire. J'ai l'impression que qu'elles expliquaient aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de fluidité et que c'était pas si. Ça devient plus un gros sujet de ta vie. Ouais. C'est pas quelque C'est chose pas qui prend toute ton énergie, mais c'est quelque chose qui te donne de l'énergie. Ouais, exact. Ouais. De toute façon, le couple, l'autre, c'est un plus hein, dans ta vie. Toi, tu dois être, pour moi, je dois être complète et heureuse moi-même. Et lui, c'est mon plus, tu vois. C'est la petite chantilly, là. Enfin, j'aime pas la chantilly, mais sur la glace, tu vois. La petite cerise. Voilà, tu vois. C'est la boule de glace qui accompagne le brownie, tu vois. Qui le révèle encore plus. Le petit plus, le gros plus. Ouais. Et j'ai une dernière question. Comment est-ce que vous prenez soin de votre lien, de votre relation? Ben, je pense qu'on parle beaucoup aussi. Ça, c'est, on a une communication quand même assez ouverte. On se dit les choses si on ne se sent pas un truc, si par rapport à une situation, on s'est senti comme ça, on se le dit et l'autre entend normalement assez facilement. Du coup, en fait, ça fait qu'on est quand même souvent un peu sur. On garde le fil, tu vois. Il n'y en a pas un qui garde en soi et en fait, après, tu te rends compte qu'on n'est plus en accord sur certaines choses. En fait, on se dit assez vite les choses. Ouais, je le dis vite. Ouais. Enfin, maintenant, ça a été une évolution. Moi, je gardais beaucoup pour moi avant. Et là, j'ai compris qu'en fait, en l'exprimant, ben, il n'y aurait pas de problème, quoi. Elle serait là, elle est réceptive, elle écoute ce que j'ai à dire et inversement. Ça, c'est la manière qu'on a pour. Moi, je n'ai pas eu cette difficulté, vu qu'il écoute tout d'une oreille bienveillante. L'écoute active et bienveillante, c'est la clé. Ouais, l'écoute, alors plutôt que la communication, je dirais l'écoute. Ouais, ben, elles sont un peu les deux, hein. Écoute et communication, je pense que c'est. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour vos partages. Merci d'être sorti de votre zone de confort et d'avoir fait ça avec c'est moi. Pas si terrible. Non, c'était pas si terrible. C'est quoi vos actualités là en ce moment? Comment les gens peuvent vous retrouver? Qu'est-ce qu'il y a à venir? Il y a nos vidéos YouTube qu'on essaye d'être un peu plus régulier en ce moment. Ouais. Il y a des vidéos à venir, dont une avec toi où tu nous présentes un objet insolite que tu as avec toi en voyage. Ça, c'est la prochaine qui va sortir. Enfin, on a déjà quelques vidéos de programmées, donc il faut juste les monter et ça va arriver. On va essayer d'être plus régulier. Et, c'est quelque chose qui nous procure trop de plaisir à faire, quoi. C'est vraiment quelque chose sur lequel on veut accentuer parce qu'on adore raconter l'histoire visuellement. Et puis, ben, sinon, on est les cordonniers les plus mal chaussés, on n'a pas de site web. Les réseaux sociaux, c'est des fois on est là, des fois on vit, alors on oublie, etc. Mais, sur notre Instagram, Voyage Intégral, et puis nos Instagram respectifs. Voilà. Ouais, vous avez nous, c'est Instagram beaucoup. On n'a pas trop mis en place des choses, mais il faudrait. Allez, éventuellement. Je me réjouis. J'ai vu la vidéo avec Jackie et Mimi. J'ai adoré. Ah cool. Trop bien. Ouais. Pareil, c'est vraiment inspirant les deux. On adore. Ouais. Du coup, ouais, c'est hyper sympa le format vlog comme ça. Et du coup, bah, Klim, si tu reprends, au moment où tu reprends les soins énergétiques, les gens peuvent te joindre directement sur ta page. Et puis, pour tout ce qui est identité visuelle, communication avec Tiffen, eh bien, voilà. Tu es sur Insta aussi via, je pense que tu as un lien dans ta bio, voilà quoi. Ouais. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose à ajouter? Non, juste de la gratitude envers toi. À travers tes yeux aussi, ça nous élève, hein, parce que tu es tellement bienveillante, douce et on peut dire que tu es une amie, hein. Une vraie amie. Mmh. Et merci pour tout ça, quoi. Oh, merci à vous. Je vous adore.
Je vous adore et j'ai l'image de nous sur les bateaux et les bouées à la descente du Rhône. Ça faisait des années que je voulais faire ça, que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Donc à Genève, il y a la rivière du Rhône, voilà, qui descend et qui après va se mélanger à une autre rivière qui est l'Arve. Et j'ai toujours rêvé, eu envie de faire cette descente du Rhône depuis des années. Et j'ai 37 ans. Et en fait, je l'ai fait cet été avec vous et je pense que c'est une hyper belle symbolique. Et aussi, quand on est allé ensemble au musée Emma Kunz, Emma Kunz qui est une des personnes que j'admire le plus en termes de guérison, de canalisation d'œuvres artistiques pour guérir vraiment en avance sur son temps. Et on y est allé ensemble. Donc, il y a vraiment un truc symbolique que votre énergie à tous les deux, elle amène... je sais pas, elle amène quelque chose de l'ordre. Il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. Donc, merci beaucoup à vous. Et merci pour le petit pique-nique aussi qu'on a fait ensemble. C'était trop bien, simple, dans le parc. Oui, on a eu plein de super moments de qualité. J'adore. Ouais. Merci. Et à venir quand vous viendrez à Bali, du coup. Bien sûr. Elle peut tester des choses. Oui. Bon, merci. Merci beaucoup. Je vous embrasse très, très fort. Merci à tout le monde qui a participé au live. Et puis, s'il y a des personnes qui regardent le replay et qui ont envie de poser des questions, n'oubliez pas de me taguer dans vos commentaires et de taguer Voyage Intégral également. Comme ça, vous verrez aussi les petits commentaires si les gens ont des questions. Voilà. Je vous embrasse très fort. Merci. Bon, bisous.